Bonjour à toutes et à tous, est-ce que ça va? C'est un petit peu mou, hein, quand même. Est-ce que ça va? Super, super, super. On est vraiment très heureux de nous retrouver ici à Évry-Courcouronnes, au cœur de nos laboratoires. Il y a un soleil magnifique, c'est ici que le soleil brille le plus, on est d'accord? Et coucou aussi à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, parce qu'on est en direct évidemment, et coucou à ceux qui sont derrière leur écran. Alors, aujourd'hui, nous sommes bien sûr le dernier jour de l'été, malheureusement, mais c'est pour ça que le soleil brille, et vous êtes notre soleil, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes à J-, c'est Bruno. Il y en a qui ont cafeté là. J-69, très exactement, puisque vous le savez, notre Téléthon aura lieu de façon très exceptionnelle cette année. Voilà, ils savent presque tout, hein, en fait. Donc vous le savez, en effet, le premier week-end de décembre, on laisse la place à Notre-Dame de Paris, puisqu'il y aura plein d'événements pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Alors c'est vrai que ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler, je ne vais pas parler du contexte politique, hein, bien évidemment, mais on a beaucoup entendu parler, on a participé, assisté, beaucoup d'entre vous l'ont fait, aux Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr. Beaucoup ont participé, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Et puis, à l'occasion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, on a entendu des mots forts, comme audace, comme énergie positive, comme défi collectif, comme fierté, et bien sûr autant de noms, autant de mots qui nous marquent tellement et qui quelque part incarnent notre combat, le combat de la FM Téléthon. Si on les reprend dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, audace. Vous le savez bien, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, notre parrain, on y reviendra tout à l'heure, je suis sûre que vous avez entendu et lu dans la revue de presse qu'il disait que la famille, les familles de l'AFM Téléthon étaient punk. Eh bien oui, parce qu'on a eu l'audace de dire non à la fatalité, de dire de ne pas se résigner. Et puis les pionniers de notre association, les pionniers du Téléthon, qui ont aussi réussi à convaincre France Télévisions, et France Télévisions est dans la salle, on les acclame, France Télévisions. Voilà. On ne s'est pas résigné, on a eu l'audace de lancer ce premier Téléthon, de faire en sorte aussi collectivement que ce soit toujours un succès qui ne s'est jamais démenti, le premier Téléthon en Europe avec un très très grand succès. On a eu aussi l'audace de bâtir des stratégies, d'avoir une vision, bien sûr, de faire des choix audacieux, avec audace, bien sûr. Vous le savez, je ne vais pas tout lister, la génétique à grande échelle, la thérapie génique contre vents et marées, les maladies rares. Et grâce à cette audace, aujourd'hui, les 7000 maladies rares sont sorties de l'oubli, très clairement. Ces maladies rares qui, pour à l'époque, il y a 30, 40 ans, il n'y avait absolument aucune solution thérapeutique. On a rassemblé tous les acteurs des maladies rares, 3 millions de personnes en France, et une vraie force collective qui est venue rejoindre ce grand mouvement, bien sûr, que vous incarnez. Et c'est ce défi collectif tout à l'heure qu'on évoquait, mais surtout l'énergie positive. Et cette énergie positive, elle constitue, c'est l'ADN du Téléthon. Vous êtes cette énergie positive. Vous êtes des bénévoles, très forts les bénévoles. Vous êtes des bénévoles aussi qui nous regardez via les réseaux sociaux, via YouTube. Vous êtes aussi les partenaires du Téléthon. Et il y a des partenaires dans la salle. Vous êtes aussi les donateurs du Téléthon. Et vous nous permettez, vous nous donnez les moyens d'abord aux familles de combattre la maladie dans leur vie quotidienne et toute l'année. Et puis, avec cette énergie positive que vous incarnez, vous nous donnez aussi les moyens pour que les chercheurs réalisent véritablement des prouesses.
le Téléthon, cet événement unique qui rassemble, et on en a tellement besoin d'événements qui rassemblent toutes catégories sociales, qui nous permettent aussi de faire que toutes les générations participent. Le Téléthon, ce sont 280 000 bénévoles, plus de 15 000 communes mobilisées. Bon, ça veut dire qu'il y en a encore 20 000 à mobiliser et vous allez le faire. 30 heures de direct sur France Télévisions, plus d'une centaine, bien évidemment, de partenaires dans cette aventure. Et défi collectif, parce que c'est aussi, ce sont ces mots qui ont été largement entendus, partagés au cours de ces dernières semaines, un grand défi collectif. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup d'entre vous ont des casques. C'est aussi pour nous permettre de bâtir les traitements, non pas seulement de demain, mais les traitements d'aujourd'hui évidemment, et de demain bien évidemment, pour des maladies rares dont on disait il y a 30 ou 40 ans, de toute façon, elles sont incurables. Et à combien de familles dans la salle, on a dit, bon, incurable, seule l'évolution tranchera. On a dit non, vous nous avez rejoints avec cette énergie positive, et tous ensemble, on a relevé vraiment ces défis collectifs assez extraordinaires. Quand je disais des choix audacieux tout à l'heure, bah oui, le premier choix audacieux, notamment pour une association de malades, ça a été de créer ses propres laboratoires, de créer ou de co-créer, mais ses propres laboratoires, de faire qu'il y ait un rassemblement d'énergie, bien sûr, de jus de cerveau, comme on dit. Et donc, on est ici au cœur des laboratoires évriens, le premier généton sur la thérapie génique contre les maladies rares. On a créé évidemment l'Institut de myologie qui se trouve à Paris pour un institut autour des maladies neuromusculaires, autour du muscle, et puis ISTEM également autour de la thérapie cellulaire. Au-delà des trois grands laboratoires, vous le savez, tous les ans, nous finançons plus de 350 programmes de recherche. Et en gros, c'est à peu près plus de 2000 chercheurs qui aujourd'hui, tous les ans, dépendent des fonds et de la collecte du Téléthon. Un vrai défi collectif, une force de frappe unique au monde qui nous permet aujourd'hui complètement de révolutionner la médecine par les choix audacieux qu'on a pu faire. Une médecine qui sauve des vies, on en reparlera. Une médecine aujourd'hui qui non seulement s'adresse et a ses grands succès pour des maladies rares, mais qui ouvre la voie pour des maladies bien plus fréquentes, parce que vous le savez, il y a vraiment des passerelles entre maladies rares et maladies fréquentes. Et puis, fierté. Fierté et non des moindres. Fierté de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on va aussi, bien sûr, réaliser encore, parce que nous sommes collectivement à l'origine. Je pense que ce n'est pas des mots galvaudés, c'est important ce que l'on dit. On est à l'origine de percées majeures. La recherche, en général, c'est pour faire de magnifiques publications. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces publications se transforment en traitements, en médicaments qui sauvent des vies. Et par cette volonté, par ces choix, par ce défi et cet engagement collectif, aujourd'hui, on est collectivement à l'origine de percées vraiment majeures pour des maladies rares, je le disais tout à l'heure, mais pas seulement. On a sauvé collectivement, on sauve des vies. Juste un exemple, le traitement notamment de thérapie génique contre l'amyotrophie spinale de type 1, une des plus graves de ces pathologies. Et aujourd'hui, plus de 4000 enfants dans le monde qui ont pu en bénéficier. On sauve des vies et ça, c'est extraordinaire. Et on inverse des destins. Je pense que sur ces images, vous reconnaissez bien évidemment beaucoup de nos petits soldats combattants et ceux qui ont pu bénéficier, bien sûr, de traitements. Jules, qui ne connaît pas l'histoire de Jules, qui était complètement enfermé dans son corps et complètement hypotonique. Et aujourd'hui, Jules qui a fait sa rentrée scolaire. Regardez notre Jules. Elena atteinte, mais il n'y a pas que Jules, ils sont des milliers à avoir fait leur rentrée scolaire alors qu'ils n'auraient pas forcément, sans ces traitements, pu faire ces rentrées scolaires. Et je peux vous dire que quand on reçoit toutes ces images, c'est énormément un tsunami d'émotions que l'on reçoit en même temps qu'on voit toutes ces images. On est toujours
en train de pleurer chez nous, de joie, parfois de douleur, mais ça fait tellement de bien. Et puis oui, Elena, atteinte de la maladie Krieger-Najar. Aujourd'hui, Elena, il y a plus d'un an qu'elle n'a pas eu besoin d'être sous ses lampes. Et vous le savez, dans cette maladie, sinon sans traitement, c'est toutes les nuits sous des lampes à UV bleues. Et donc, depuis plus d'un an, Elena n'a pas besoin de ces lampes. On a Mathilde, qui, lorsqu'elle a eu son diagnostic, a pu sortir de son fauteuil parce qu'il y avait un traitement qui pouvait lui être adressé. Et aujourd'hui, Mathilde est la maman de petits jumeaux. Donc, c'est vraiment des moments d'émotion extraordinaires. Et ces victoires, dont vous voyez quelques-uns, évidemment, de ces visages, ce sont vos victoires et ce sont les familles qui en parlent le mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elena a pu bénéficier d'une thérapie génique. Puis fin octobre, elle a complètement arrêté sa photothérapie, donc elle ne dort plus sous ses lampes bleues. Et on peut dire que tout se passe bien. Elle vit beaucoup plus librement et elle mène sa petite vie d'adolescente hein, comme une adolescente normale. Donc nous, on est très heureux et je pense qu'elle est très heureuse également. Dans mon cas, le diagnostic a permis d'avoir un traitement. J'ai énormément de chance, mais enfin, on se rend bien compte que enfin, si je n'avais pas eu de diagnostic, je n'aurais pas eu de traitement. Et tout simplement, je serais encore en fauteuil roulant. Une journée très calme avec cette thérapie en une heure, où Victoire, elle revit, c'est sa renaissance. Donc, elle est sauvée. Donc, formidable ce jour, le 31 mars 2020. C'est magique. Grâce à la FM Téléthon, Sacha a reçu une thérapie génique. Après, est-ce qu'elle va marcher totalement? On l'espère. Après, on n'est pas médecin et ça, on verra avec les années si c'est le cas ou pas. Mais pour l'instant, ça marche. Les progrès qu'on voit actuellement, nous, on les imaginait même pas. Le fait de voir Sacha monter l'escalier en alternant jambe droite, jambe gauche, pour nous, c'était impensable, surtout après un peu plus d'un mois de l'injection. Quoi. Presque 15 jours après l'injection, on voyait déjà des effets. Donc on avait du mal à mettre ça sur le dos de l'injection parce que ça fait quand même très très rapproché. Mais finalement, 15 jours après, il commençait à acquérir la station assise. Et 15 jours encore plus tard, il commençait à parler. Donc ça a été très rapide, on a eu des effets très rapidement. L'évolution, elle est juste exceptionnelle. Juste après l'injection, 3-4 jours après, Victoire, elle a tenu quelques secondes assise toute seule. Donc ça, c'était un miracle parce qu'elle n'avait jamais fait ça et elle avait 9 mois. Tous les jours, en fait, on voit des progrès. Aujourd'hui, je peux marcher plus de 2 heures. Enfin, je fais des randonnées, je suis partie en voyage sans mon fauteuil roulant. Bon, tout ça, c'était inimaginable avant. C'est formidable pour un parent de vivre ça. Et de vivre, voir son enfant vivre normalement, c'est quelque chose qui moi me touche. Et on peut même dire qu'on est libéré et que c'est peut-être un début de victoire. Et en fait, il a complètement dépassé nos espoirs, quoi. Il est devenu autonome à tout point. Enfin, il suffit de le voir aujourd'hui, il marche, il monte les escaliers tout seul, il rentre dans son lit tout seul, il est même capable de se coucher tout seul. Il a récupéré une bonne partie de son autonomie, il mange, il déglutit, enfin, il y a peu grand-chose qui l'arrête. Donc il a reçu son traitement à 43 jours de vie. Et il est en pleine forme, il saute partout, il court partout, il est plein de vie, il est hyper joyeux. Et voilà, c'est un petit garçon de 3 ans, j'ai envie de dire, tout à fait normal. J'ai compris qu'on avait une énorme chance. Et tout ça, même, grâce aux chercheurs et au Téléthon, bien sûr. Il n'y a pas que l'amyotrophie spinale, mais sans ces dons, les chercheurs n'ont pas les moyens de pouvoir faire des miracles. Elle va bien, elle est épanouie et on est heureux quoi, tous ensemble. Donc un grand merci aux donateurs. J'ai vécu le Téléthon comme ça, comme une force.
Maintenant, on le voit carrément comme un... Enfin, on est hyper reconnaissant. C'est d'ailleurs pour ça que je témoigne aujourd'hui, en fait. J'ai envie de dire merci au Téléthon. Maintenant, nous, on est sauvés. Maintenant, il y a d'autres familles à sauver. Il y a les grands copains de Victoire qui ont besoin d'aide. Donc, il ne faut pas lâcher. Plus haut, plus loin, plus fort. Vous nous avez aidés à aller très très haut. Vous devez nous aider encore, bien sûr, à aller encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort. Bah, pourquoi ? Parce qu'on a montré la voie et qu'on sait aujourd'hui que ça marche très clairement. Il y a cet effet boule de neige. Il y en a des milliers qui ont pu en bénéficier, mais il y en a encore beaucoup plus qui n'ont pas encore bénéficié de ces traitements. 95% des maladies rares qui attendent, qui ont besoin bien sûr de vous. On compte sur vous. Vous êtes nos champions, très clairement. Le Téléthon, c'est un marathon. D'un côté, c'est un marathon parce que on sait que les traitements se bâtissent sur la durée. Vous êtes bien placés pour le savoir. Et en même temps, c'est un sprint parce qu'on a seulement 30 heures. 30 heures pour permettre aux familles de mieux vivre la maladie au quotidien et surtout de donner les moyens aux chercheurs et aux experts d'avancer encore plus loin, plus haut et plus fort. Et maintenant, je vous propose d'accueillir notre vice-président François Lamy et nos 5 familles pour la première fois. Elles se révèlent devant vous en avant-première, les 5 familles ambassadrices. Mégane et Théo, les jumelles Marley et Milan, Sacha, ses parents Hélène et Edouard ainsi que sa sœur Alban, Marie et Hugo et leur fils Paul, Félicie, sa maman Jessica, son beau-père Alexandre, son frère Zéphir et sa sœur Inès, et Kim et sa sœur Jade. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos applaudissements. Alors, sur la séquence d'avant, il y avait la vidéo. Je peux vous dire, il y a eu de la poussière qui arrivait dans les yeux de tout le monde. Là, sur le coin, j'ai bien vu, et sur scène toujours. Vous pouvez les encourager parce qu'ils sont un peu timides. C'est la première fois qu'ils sont sur scène. Alors, vous le savez, évidemment, le Téléthon sont les familles. Laurence l'a dit. Et là, on en a un très bon exemple devant vous aujourd'hui. Elle témoigne des avancées de la recherche, du quotidien qui n'est pas facile, jour après jour. Mais malgré tout, cet espoir avec ces avancées de la recherche est parfois plus que des espoirs, des réussites, des vraies victoires. Alors cette année, pour le Téléthon 2024, ce n'est pas une, deux, trois ou même 4 familles, mais on a 5 familles ambassadrices. Donc, vous voyez comme ils sont beaux là, ils remplissent bien le plateau. Donc c'est splendide, applaudissez-les. Alors, je vous propose de faire un peu plus ample connaissance. Alors, tout d'abord, Mégane et Théo, donc les parents de Milan et Marley. Alors, c'est facile pour ceux qui sont au fond, pour distinguer les jumelles, Milan et Marley, c'est écrit sur leur tétine. Alors,
Est-ce que vous pouvez... alors, ça marche, ça ? Peut-être... Ouais, ça marche. Alors, vous avez décidé de déménager en Charente-Maritime il n'y a pas très longtemps. Voilà, on est tous d'accord. La Charente-Maritime, c'est le plus beau département de France, on est d'accord. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a été décisif pour vous, vital et incroyable ? Alors, ça a été très important pour nous parce que, de base, on habitait à Nantes. Nantes où il n'y avait pas le dépistage de la maladie. Et du coup, en fait, bah, quand on a appris que c'était des jumelles, on a décidé de revenir en Charente-Maritime près de nos familles, là où, du coup, il y a le dépistage. Et donc, c'est clairement ça qui a sauvé nos filles. Voilà. Et elles sont en pleine forme aujourd'hui, on peut le dire. En pleine forme aujourd'hui. Bravo à elles. Alors maintenant, je vous présente Tim. Donc Tim, ce grand garçon, ce jeune homme, qui a bénéficié lui aussi de thérapie génique, donc qui est atteint d'une maladie rare de la vision, qui est apparue soudainement alors que tu étais déjà adulte. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'est arrivé et ce que t'a apporté la thérapie génique ? Bah en fait, ce qui m'est arrivé, c'est très simple. Hein. Le symptôme principal, c'est vraiment une chute brutale de la vision. Donc ça m'est tombé dessus en début d'année 2019, sur le premier œil. Donc après, on vit normalement finalement, puisqu'on a un deuxième œil pour compenser. Mais quand celui-ci est atteint aussi, ça devient un peu plus compliqué. On n'a pas un troisième œil pour compenser encore une fois. Et donc la thérapie génique a pu... J'ai bénéficié du coup d'un essai clinique, d'un traitement fin d'année 2019. Et j'ai vu de gros résultats qui sont arrivés un an plus tard, qui m'ont permis de retrouver de la vision centrale, qui m'ont permis en fait de revoir des visages ou de relire, de ne pas avoir à bénéficier de synthèse vocale ou de choses comme ça, et puis de réussir à beaucoup plus me débrouiller dans le quotidien finalement. Rien que de pouvoir refixer un regard, en fait, c'est quelque chose que je ne pouvais plus faire, quoi. Merci Tim. Alors maintenant je vais vous présenter Sacha qui a 8 ans, alors que vous connaissez déjà, on l'a tous vu sur les vidéos depuis le printemps. Alors on sait qu'il fait du vélo, il fait de l'escalade, il fait même de la course, du karaté, on l'a vu faire tout ça. Il a essayé tous les sports des Jeux Olympiques en fait à lui tout seul. Et pourtant Sacha est atteint de myopathie du chêne. Alors Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette histoire ? Ben, donc Sacha a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans par hasard. On n'était pas prêt à un tel diagnostic, on vivait tout à fait normalement jusqu'à ce jour-là. Même si on notait tout de même un retard moteur, mais pas alarmant pour un sou. Donc, effectivement, en 2018, le diagnostic de myopathie de Duchenne est tombé. Ça a été violent. On a eu besoin d'un peu de temps pour accuser le coup. Mais très rapidement, on a été porté par vous et par l'ensemble des acteurs du Téléthon qui nous ont donné de la force d'abord. Et petit à petit, avec les mois, on a eu la chance d'entendre parler d'essais de thérapie génique qui, à ce moment-là, n'étaient pas encore d'actualité. Mais on a tout de suite mis le pied de Sacha à l'étrier. On s'est investi sur les conseils, évidemment, des médecins. Et on a pu accéder à une thérapie génique en 2022. Sacha a été injecté le 7 décembre de cette année-là. Et depuis, on a retrouvé une vie normale, puisque Sacha, vous l'avez dit, fait du sport, court, saute. Avant ça, ce n'était pas possible. Et voilà, on est les plus heureux du monde. Merci Hélène, on applaudit. J'arrive. Alors, Marie et Hugo, vous êtes les parents de Paul, qui est atteint d'épidermolyse bulleuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette maladie et ses conséquences au quotidien ? Bonjour à tous, c'est assez impressionnant d'être là, en tout cas pour vous présenter Paul, qui est atteint d'épidermolyse bulleuse sous une forme dystrophique. C'est une maladie très rare de la peau qui touche la peau et les muqueuses sur la forme de Paul. Son corps ne produit pas en fait de collagène 7. Le collagène 7, c'est la protéine qui permet aux couches de la peau de tenir entre elles.
Et chez Paul, il y a un défaut de production du collagène 7. Et donc, sur la forme qu'il a, les muqueuses sont atteintes. Donc, la peau est la partie visible de l'iceberg. Ce qui nous pose le plus problème, c'est tout ce qui est à l'intérieur, qui n'est pas accessible et qui n'est pas visible. Il n'y a aucun traitement à ce jour pour les enfants atteints d'épidermolyse bulleuse. La seule chose que l'on peut faire, c'est le soulager au quotidien, c'est protéger sa peau, panser les blessures et la peau qui se décolle, en fait. Voilà, la peau se décolle, s'arrache, ça crée des plaies qui ne cicatrisent pas, puisque comme il n'y a pas de collagène, ça ne cicatrise pas. Donc c'est douloureux et je crois que Paul va vouloir parler juste après. Et à ce jour, voilà, on n'a pas de traitement encore pour l'épidermolyse et on espère vivement qu'avec le Téléthon, la recherche avance. Surtout pour le... Tu veux dire autre chose de plus intéressant ? Dis bonjour à tout le monde. Ah, bah, d'un coup, il a perdu la parole. Je crois qu'il aime bien les camions de pompiers. Papon, papon. Merci Marie. Et enfin, alors Félicie, toi tu as 14 ans, tu es atteinte d'une calpaïnopathie, maladie myopathie des ceintures. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette maladie ? Eh bien en fait, c'est pour vous faire simple, c'est une maladie qui, en fait, on va prendre l'exemple que c'est des petits bonhommes dans nos muscles qui les mangent un peu plus chaque jour et donc du coup... Par exemple, il y a 2 ans, j'arrivais encore à courir, sauter, etc. Et là, maintenant, j'y arrive de moins en moins. Et du coup, c'est pour ça qu'on est encore en attente de thérapie génique pour ma maladie, enfin pour mon cas. Et donc, du coup, on avance, mais on n'y est pas encore. Et donc, du coup, j'ai peur qu'à un moment donné, ce sera trop tard. Donc, c'est pour ça que... Donc il y a urgence, il faut y aller à fond, et je pense que tout le monde est là pour pousser avec toi et aller au plus vite possible et financer cette recherche pour qu'il y ait un traitement. Merci Félicie. Alors merci à tous pour vos témoignages, on peut encore les applaudir bien fort tous les 5. Mais avant, parce que j'ai peur que vous oubliez, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, c'est la fête, mais le vrai moment, c'est pas maintenant. Donc les jumelles, vous nous rappelez quand on se retrouve le prochain rendez-vous. Sacha et Paul. Donc les 29 et 30 novembre. Donc encore merci à vous. On va rester un petit peu sur scène. Et n'hésitez pas à venir pour prendre des photos de famille, de nos familles ambassadrices. Une minute pour les photos. C'est bon, elles ont pris toutes les photos. C'est parfait. C'est bon, c'est fait les photos. Ah, 29 et 30, ça se voit pas trop aussi, la petite puce. Allez, 29. 30. Super. Ah voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci aux familles ambassadrices. Merci François. Alors ça va, c'était pas trop intimidant. Je peux vous dire que tout à l'heure, ils étaient dans une salle. Ils avaient vraiment très très peur, ils étaient stressés, mais là ça y est, c'est décontracté, c'est bon. Il n'y avait que Mylène et Marley et Mylène qui étaient les moins stressés, hein, on s'en doute. On les applaudit encore. Le Téléthon, c'est évidemment notre marathon, c'est vous sur le terrain, c'est vous partout en France. C'est évidemment les familles qui sont le cœur et le moteur du Téléthon. Mais au moment du Téléthon, on a aussi pas mal de prises de parole d'un certain nombre d'experts scientifiques. Alors aujourd'hui, je vais vous dire après pourquoi,
un tonnerre d'applaudissements, mais pas tout de suite, hein, le tonnerre d'applaudissements. Ça fonctionne, oui. Il y a parmi, dans la maison AFM Téléthon, il y a un très, très grand scientifique. Enfin, un scientifique grand. D'accord ? Un très, très grand scientifique. Tout à l'heure, on parlait des JO et Paralympiques et on disait des champions. On peut dire qu'au niveau international, il est un des champions scientifiques internationaux dans les maladies neuromusculaires et dans les thérapies innovantes, plus particulièrement la thérapie génique. Ensuite, au-delà d'être un champion scientifique, il est aussi un homme très loyal. Ça fait partie des grands principes et des valeurs extrêmement importantes pour notre association. Il n'a jamais lâché les familles, notre combat, pendant des décennies, je peux même dire. Pendant des décennies, il est, et depuis des décennies, il est à nos côtés, dans nos pathologies, dans ses thérapies innovantes. C'est un homme, on va dire, un très bon vulgarisateur. Ah oui, d'ailleurs, vous vous l'arrachez sur le terrain. Parfois, je crois qu'il est à tel endroit et en réalité, il est en province, alors qu'il devrait décompresser un peu parce qu'après, il part à l'autre bout du monde. Oui, c'est bien. Il est quelqu'un de très sensible, vraiment très sensible. Et très pudique avec sa sensibilité. Combien de fois je l'ai vu lui aussi avec sa larme au coin de l'œil. Je suis sûre que depuis tout à l'heure, il a eu plusieurs fois la larme au coin de l'œil. Très sensible et il a une plume magnifique parce que sa sensibilité, s'il l'exprime, il exprime aussi beaucoup au travers des mots. Et quand il se passe un événement extraordinaire, lorsqu'on a une annonce extraordinaire, il me dit, il faut que j'écris, je vais écrire, je te l'envoie. Voilà, et donc une plume magnifique. Vous l'avez deviné, c'est un de nos grands scientifiques depuis des décennies à nos côtés. J'appelle à me rejoindre Serge Braun. Et on se met debout ou on klaxonne avec les fauteuils. On klaxonne avec les fauteuils. Et on se met debout. Une ovation pour Serge, qu'on pourrait faire depuis tellement longtemps. Alors, maintenant, je vous dis un petit peu pourquoi aussi. Parce qu'il a décidé de prendre sa retraite. Bon. Reste là. Non, mais il va rejoindre un club et il va vous le dire tout à l'heure, le nom du club. Mais d'abord, on a une petite surprise pour toi, Serge. Vous savez, la recherche, ça ne se fait pas chacun dans son coin, ça se partage. Et pour prendre un exemple qui nous concerne tous aujourd'hui, la myopathie du chêne, nous avons un programme de recherche de thérapie génique de la myopathie du chêne en partenariat étroit avec l'AFM. Nous avons des programmes de recherche que nous menons en commun avec des laboratoires dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne sait pas à apporter le gène dans les muscles et rien que dans les muscles. Ça demande encore beaucoup de travail, des mises au point, une amélioration de vecteurs qui se fait en continu et donc encore quelques années de travail. Quand je suis arrivé il y a 5 ans à Transgène, la thérapie génique c'était quelque chose d'assez abstrait. On m'avait même posé la question de mon opinion, de savoir ce que je pensais de la thérapie génique et je disais je suis très sceptique. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je vous demande d'accueillir Serge Braun, notre nouveau directeur scientifique. Face à vous, face aux défis qui nous attendent, et j'espère très sincèrement pouvoir rendre un petit peu de tout ce que l'AFM m'a apporté. Merci. Je sais que chez vous à Strasbourg, on vous appelle le docteur Téléthon. Docteur Téléthon, c'est le diplôme dont je suis le plus fier, hein. Ça je tiens à le dire. On va tous se battre. Ça commence par les crêpes et les ballons, le 36-37, le téléthon.fr. Il y a toute une communauté de chercheurs, de bénévoles, de médecins qui vont se battre pour toi. Tu veux qu'on comprenne ta maladie ? Eh bien, on va la combattre ensemble et on gagnera.
On dit que le Téléthon est un accélérateur de la recherche. Vous confirmez? C'était l'étincelle qui a permis de lancer la fusée. Et maintenant, c'est l'accélérateur qui la met sur orbite. Vaincre la maladie, c'est guérir. Et effectivement, dans certains cas, on peut guérir. Y compris de maladies dont on pensait encore il y a quelques années que c'était impossible. Même l'impossible devient possible. Aujourd'hui, on traite des personnes, des enfants, des adolescents, des adultes. On est passé de l'ombre, pour ne pas dire le noir total, à la lumière. Travailler pour le Téléthon, je devrais dire collaborer, apporter ma pierre à l'édifice, ça ne m'a pas seulement changé, ça a donné du sens, un sens à ma vie. Il y a quelques jours, la NSM, l'Agence française du médicament, nous a donné le feu vert pour démarrer sur un programme de Généthon, un essai de thérapie génique pour la myopathie de Duchenne. Et cette maladie emblématique, il lui a fallu aussi des années et des années. Beaucoup nous disaient qu'on n'y arriverait jamais. Moi, je repense à toutes ces années de travail acharné de la part de tout le monde, les chercheurs, les bénévoles, vous tous derrière, derrière les caméras qui avez donné pour le Téléthon tout au long de ces années. C'est le fruit de ce travail. Avant, j'allais à des enterrements. Maintenant, je vais à des anniversaires et ça, c'est extraordinaire. Alors, il n'était pas au courant, hein? Tout à l'heure et hier aussi, il disait « qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Donc il n'était pas au courant. Vous avez vu combien il a un look un peu différent de celui qu'il avait il y a 25 ans, 30 ans. Ça, c'est l'effet aussi Téléthon. Hein. Maintenant, il est... Bon. J'ai pas changé, il n'y a que les lunettes qui ont changé. Oui, c'est ça. Non, t'as pas changé du tout. Je sais pas si tu avais des moments, des grandes avancées dans toute ta carrière qui n'est pas terminée, parce qu'on continue de compter sur toi, bien sûr. Hein. Tu l'as compris, mais ouais. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors d'abord, je ne te remercie pas, parce que je me doutais bien qu'il devait se passer quelque chose, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question de s'assurer que je serais bien là aujourd'hui. Donc je me suis dit, il y a anguille sous roche. Juste dire que... Il y a les petits garçons, en général, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, ils disent « je veux être pompier, astronaute ou un grand joueur de football ». Moi, mon rêve, c'était de trouver des médicaments pour soigner les malades. Ça a toujours été mon rêve. Et l'AFM m'a permis de vivre ce rêve. Et pendant toutes ces années... J'ai grandi, alors vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme grand, un homme grand. Non, un grand homme, un grand homme. Mais c'est à votre contact que vous m'avez élevé. En fait, à chaque fois qu'un résultat scientifique est obtenu, et que parfois j'y ai contribué, mais que toute la communauté scientifique derrière moi a développé, il y a un peu d'autosatisfaction. Parfois, il y a aussi du découragement. Et on en a vécu tout au long de ces années. Mais à chaque fois, vous étiez là, les malades, les familles, les bénévoles, le refus de la fatalité, ça, c'est la marque de l'AFM, la rage. Ils sont devenus les miens. Le dépassement, je l'ai fait mien. Et en même temps, on me remettait à chaque fois les pieds sur terre. Et j'ai en mémoire là, une boutade que me lance régulièrement Bernard Castillo. Bernard Castillo, il était délégué de l'AFM dans mon département, dans le Bas-Rhin. Papa d'un Duchenne, et il me dit toujours à chaque fois qu'il me voit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être derrière tes pipettes. Et c'est notre manière de se dire bonjour. Mais je pense aussi à ses larmes. Le jour de l'enterrement de son fils, c'est un moment qui a marqué ma vie. Il s'appelait Laurent, il avait 20 ans. Et l'ordre qu'il m'a donné, il m'a dit « continue ».
et aussi celui d'Edith, sa femme, qui m'a fixé de ses yeux, qui a froncé les sourcils, qui pleurait toutes les larmes de son corps et qui me dit « Trouve !» Tous les jours, j'y pense. J'ai plein de prénoms, plein de visages devant les yeux et ils m'accompagnent et c'est ma force et mon énergie. Et ce que j'exprime là, je pense, c'est aussi l'expression de toute cette communauté de chercheurs, de personnels scientifiques, non scientifiques, des bras armés de Généton, d'ISTEM, l'Institut de Génosafe, de toute la communauté de chercheurs que vous soutenez en France et dans le monde et qui essayent de mettre ensemble leur intelligence et leur détermination pour trouver des solutions, faire avancer les connaissances et les thérapeutiques. Et on en a vécu des moments. Et aujourd'hui, on est vers une explosion des thérapeutiques. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Et on commence à traiter des maladies incurables, guérir l'incurable, ça me fait penser à ça aussi. Mais encore, il y a encore beaucoup de travail. Le combat ne doit pas s'arrêter. Ça, c'est aussi ce qui me vient à l'esprit en permanence. L'AFM, c'est une association extraordinaire. Et vous en avez fait un vaisseau magnifique. On en est les marins et les bâtisseurs. Et vous n'imaginez pas à quel point j'ai appris de vous. Et je vais continuer différemment, mais je vais continuer parce que c'est impossible de balayer 40 ans de voyage ensemble. Je vais continuer à essayer de rendre un peu, je crois que ça c'est apparu dans le film aussi, un peu de ce que l'AFM m'a apporté. Et je voudrais finir simplement en... Il n'y a pas que moi dans cette histoire, il y a toute l'équipe de la direction scientifique de l'AFM, c'est des personnes qui sont engagées, compétentes et qui travaillent de manière... qui font un métier ingrat et qui travaillent de manière anonyme. Et c'est tous ces chercheurs qui se dépensent sans compter toute l'année et même... et qui continueront aussi bien au-delà de leur retraite. Et on va continuer à voyager ensemble. Il y a une nouvelle génération qui arrive, c'est le moment de passer le flambeau, hein. Une nouvelle génération arrive. Merci de l'aider comme vous l'avez fait pour moi. Voilà. Un petit message, même si ton message était magnifique, ton témoignage magnifique, un petit message pour les encourager pour le Téléthon 2024-25 et la suite. Un petit message ? Ouais. 36-37. Et c'est justement pour passer le relais à France Télévisions. Merci mille fois Serge. On l'applaudit encore super fort. Et donc, en effet, le Téléthon, c'est vous un peu partout en France. C'est vous derrière votre petit écran aussi qui nous regardez, les donateurs et les bénévoles fidèles. Ce sont les familles, bien sûr, le cœur, le moteur. C'est évidemment aussi la communauté scientifique, les experts. Mais que serions-nous sans France Télévisions ? Donc, j'appelle à me rejoindre. Yannick Le Tranchant, producteur du Téléthon et directeur des opérations spéciales de France Télévisions. 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30.
Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Merci de cet accueil chaleureux. En plus, après Serge Braun, c'est pas forcément facile. Je ne fais que de la télévision. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir pu travailler toutes ces années avec Serge Braun, qui effectivement, c'est important, la télévision est un vulgarisateur formidable et c'est important pour porter cette cause. Alors c'est là où on n'avait pas répété directement, mais on est à la télé et c'est fou cette histoire. Qu'est-ce que je dois dire ? Eh bien écoutez, oui, on va parler d'une annonce qu'on a faite il n'y a pas très très longtemps, hein, c'est ça ? Ben oui. Du parrain. Nous avons annoncé le parrain 2024 de ce Téléthon. C'est plus un secret là. Ah, c'est plus un secret puisque c'était mercredi soir. Ah alors c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? On n'entend pas très bien. Non, on n'entend pas bien d'ici. Eh ben oui, c'est Mika. C'est 4 lettres de générosité, d'élégance, de talent, d'énergie. Et comme Mika ne pouvait pas être là puisqu'il est en tournage à Londres, il nous a envoyé un petit message vidéo parce qu'il pense à vous. Oh, vous le savez ! Regardez le message. Salut tout le monde, c'est Mika. Bonjour à tous qui êtes connectés ou réunis aujourd'hui. Je suis extrêmement honoré d'être le parrain de cette édition 2024 du Téléthon. Je tenais à vous saluer et vous dire merci pour tout le travail que vous faites depuis des années, partout sur le terrain. L'incroyable aventure du Téléthon, c'est entièrement grâce à vous. Alors bravo, et vous pouvez compter sur moi et sur mon énergie pour vous aider cette année. Et maintenant, j'ai hâte de faire votre connaissance et aussi celle de Tim, Félix, Sacha, Paul, la famille de Marley et Milan, avec qui nous allons partager toute cette aventure. Donc à très bientôt au Téléthon 2024. Je vous embrasse tous. C'est vrai que... Alors on a eu un petit privilège, Yannick, c'est de le rencontrer. Je pense qu'on va encore avoir un super parrain. Pourtant, c'était pas facile, hein, après Vianney, qui a déjà été extraordinaire. La barre est très, très haute, mais je pense que ça va être un super parrain, non ? Oui, je pense que ça va être un super parrain, parce qu'effectivement, quand on l'a rencontré, on a très vite senti qu'il était impliqué, qu'il était curieux. Il était curieux de comprendre, curieux de savoir, et ce sera un bon parrain, parce que c'est un passeur. Et je pense que son énergie, dont je parlais tout à l'heure, va nous aider à nous emmener et aussi emmener d'autres artistes pour nous soutenir. Alors évidemment, le Téléthon, vous le savez, et je salue là une partie de l'équipe qui est là. Il y a mon adjointe Ève, mais il y a aussi Magali, il y a Carole, il y a aussi Romain qui sont là, parce qu'on a commencé à travailler évidemment avec les équipes de Laurence sur le Téléthon 2024, qui va nous réserver évidemment beaucoup de surprises, comme chaque année avec notre plateau. Il y aura une guinguette qui sera un dance floor cette année, vous verrez, une galerie avec une tombola renouvelée pour promouvoir la tombola que vous connaissez du Téléthon. Tous les animateurs, animatrices de la chaîne sont mobilisés comme chaque année aux côtés de nous tous avec Nagui, Sophie Davant, Cyril Ferraud, Laura Tenougi et tous les animateurs et journalistes du groupe France Télévisions. Des rendez-vous avec les médaillés olympiques, on en parlait aussi tout à l'heure, ce sont des valeurs qu'on retrouve aussi dans ce combat. Une émission en direct, près de 30 heures d'antenne, on aura également le Téléthon Gaming qui est devenu aussi désormais un rendez-vous très important. Et puis, pour refléter tout l'engagement des bénévoles, et on le voit encore aujourd'hui, des bénévoles sur le terrain, nous aurons à nouveau, cette année, 4 villes ambassadrices. Ah oui, mais alors, faut pas les annoncer tout de suite, hein, Yannick. On va pas tout de suite annoncer les villes ambassadrices 2024, mais on va faire un petit coup de chapeau et on va faire venir sur scène les villes ambassadrices 2023 pour les encourager à continuer de faire très fort pour le Téléthon 2024. Les villes ambassadrices 2023. Thank you.
Alors, ces villes ambassadrices 2023 vont passer le flambeau aux quatre nouvelles villes ambassadrices 2024 avec Quimper en Bretagne. Bretagne, il y a des Bretons. Firmini en Auvergne-Rhône-Alpes. Avesnes-sur-Helpe dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Et Bonifacio en Corse. Boniface. On les encourage très fort. Merci, merci mille fois. Alors un immense merci pour votre mobilisation. On compte évidemment sur les villes ambassadrices, mais pas que. Celle de 2023, il faut qu'elle continue de faire très très fort. On compte sur vous, on va vous regarder. Bien sûr, celle de 2024. Alors là, vous avez entendu la petite victoire dans le film tout à l'heure. Plus haut, plus fort, plus loin. Alors là, surtout, vous pouvez présenter à chaque fois un quart de la France, évidemment métropolitaine, mais aussi évidemment la Corse, les régions d'outre-mer, tout le monde, pour regarder ce qui va se passer dans les villes ambassadrices et pour mobiliser sur le terrain les plus de 15 000 communes qui vont devenir 20 000. Et évidemment, on compte sur vous. Merci. Merci beaucoup. On a dit pour ce Téléthon 2024, merci mille fois pour ce Téléthon 2024. Tous bâtisseurs, on le sait. Alors dans la salle, derrière vos écrans, est-ce que vous êtes prêts? Alors on va vérifier quand même. On va vérifier. La région sud-ouest, est-ce qu'il est au rendez-vous? On veut voir les drapeaux rouges. Il y a des drapeaux rouges. La région sud-est. Ouais, les jaunes, ils font plus de bruit que les rouges. Hein. Le nord-est, c'est comment? Allez, ouais. Le nord-ouest est-il encore plus mobilisé? Ouais, et outre-mer et les Français de l'étranger, c'est bleu, c'est bleu. Alors on est tous à fond, ouais. On veut voir tous les drapeaux de toutes les couleurs. C'est joli, mais faut que ça bouge un peu plus. Et alors, avant le coup d'envoi du vendredi... Non, on n'entend rien. Pas très bien, non. En fait. Du vendredi... sur... à... Yannick. 18h40. 18h40, 29 novembre sur France 2. On va se replonger, d'accord Yannick, on va se replonger sur notre séquence finale du Téléthon 2023 avec ceux qui ont mis le feu sur le plateau pour célébrer notre compteur final. On y va. Hein. Chantez avec nous.
sourire au roi. Jamais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et la mélancolie au soleil des milliers devenait joie. Les bras, les mains, les voix, on chante. Et on agite les drapeaux, les drapeaux. Tout le monde. J'avais le soleil jour et nuit dans les yeux des minuit. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et la mélancolie au soleil des minuit devenait. Les bras, les mains, les drapeaux, on y va. Encore. Alors attention, à la fin du morceau, sans musique, on va chanter ensemble ici. Drapeau levé, ceux qui n'ont pas de drapeau frappent dans les mains, très fort. Et attention, vous chantez avec nous. Moi, hey, j'aime. Collectif, métissé. Merci, vous êtes formidables. Je réchauffe ma vie. Moi. Et là, au soleil des midis, devenir joie de vivre. Faites du bruit! Vive le Téléthon 2024! La, 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 la. Collectif métissé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci d'être fidèle au Téléthon. Merci beaucoup. Des fidèles au Téléthon, collectif métissé extraordinaire. Ils sont comme vous, bénévoles, venus de Bordeaux. Exprès pour vous, ce sont les vrais. Exprès pour vous, toujours fidèles depuis plus de 10 ans au Téléthon. Merci à tous ceux qui sont connectés. Et n'oubliez pas, on se retrouve quand ? Normalement, vous avez un carton jaune 29 et 30, c'est bon ?